Bonjour, je suis Isabelle Breton, je suis kinésithérapeute spécialisée en rééducation oromaxillofaciale. J'ai une expérience de plus de 26 ans en centre hospitalier dans un département d'ORL chirurgie maxillofaciale, donc à Montpellier, à l'hôpital. Je suis responsable du diplôme d'université de la faculté de médecine de Montpellier et je suis coprésidente de la CycloMF, qui est une association qui regroupe, donc une société savante qui regroupe des kinésithérapeutes autour de la rééducation oromaxillofaciale. Avec Kinéotop, je vous propose une formation sur la rééducation des dyspraxies orofaciales. Les dyspraxies, c'est une mauvaise acquisition, une mauvaise coordination des fonctions, et en l'occurrence pour la sphère orofaciale, il s'agit de la ventilation, la déglutition et la mastication. Je ne sais pas si vous le savez, mais la ventilation optimale, c'est une ventilation qui est nasale. Le fait de respirer par la bouche, c'est donc quelque chose de pathologique et ça va générer des pathologies tout au cours de la vie. Donc dans la rééducation de ces dyspraxies, vous aurez autant des enfants, puisque ça va concerner ces dyspraxies, la croissance faciale, que des adultes, parce que ces dyspraxies vont générer des pathologies locales ou générales, donc le syndrome d'apnée, les dysfonctions d'appareil manducateur ou énormément de troubles posturaux. Et dans vos cabinets, vous ne le savez pas, mais énormément de patients qui viennent pour des cervicalgies chroniques ont en fait un problème justement de dyspraxie, notamment d'une dyspraxie ventilatoire. Alors si la rééducation maxillofaciale vous intéresse et si vous voulez en découvrir plus sur la prise en charge de cette pathologie, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Kinéotop.